voudrais savoir l'état de santé de son enfant Fahim, parce que nous avons lui, comment est-il hospitalisé, conduit par la police, comment est-il en train de se faire. Je crois que c'est une très très bonne question. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu. Elle est lionne. Les insultes, monsieur le président Martin Fayoulou, dans plusieurs TPDC, on s'est dit Babololé. On voudrait savoir les contextes de ces insultes. Est-ce c'était simplement une coïncidence ou c'était planifié ou ça n'était pas adressé à la police parce qu'il y aurait une plainte qui était déposée contre le président Martin Fayoulou? Je ne comprends pas. Si quelqu'un vous fait les poches, il vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame. À une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous, vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Tout n'a tant que bon, 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 bon. Boutique à polémique. Nous aurons violenté. Bah, moi, on a dit que pas bouloulé. Nous aucun des peuples à bouloulé. Au moins, ici, vous. Il y a un bouloulé et il y a un appel. Les Alingala. Les Alingala. Bah, moi, on a dit que pas bouloulé, bah, tout le monde, oui. Bisous, tout le monde, a toujours. Vanda et Sika, Mokoko, Namboka, Nabiso, Isali, Nabonyo. Mais est-ce que si Bomona a violence en Dengon? Mais est-ce que Bomoni Bato Nzambe Akeli? Bato Wana Baya, Babimi si Mite Mama Ben Abango, pour nous rebêter Baninga Nabango, Koboma Bango. Omoni Yangwana Denge, Tolobina déclaration. Il faut enquête neutre et zala. Parce que Batounion Sowana, Bazalekiwana, Mingi, Bazali, la police nationalité. Bapesi Bango Bilamba, la police. Makambo, Tosaki Koyoka, la milice, Bakangi, Kunana Kingabwa, Bazali, Bomoni, Yangouana. So qui olé autondité, comme Kakobala te. Comme Kamodindo te, ah, vous avez Modindo. Papa, avec un petit sucre. Merci, nous demandons au membre du président de s'asseoir. Et rapidement, nous commençons avec notre consoeur Joël Ngombe de Plisley. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir l'état de santé de son enfant Fahim, parce que nous avons vu comment est-il hospitalisé, conduit par la police, comment est-il en santé. Merci de vous préoccuper de ma santé. Et voilà, je crois que c'est une très très bonne question. Et si je suis là, c'est. Grâce à Dieu. Elle est lionne. Et j'aimerais, pour ça, si Madame Chantal Mouboni est là, s'il vous plaît, qu'on se lève tous pour faire une prière et rendre grâce au Seigneur. Merci. Si nous sommes aujourd'hui en ces lieux, et si le coordonnateur Adolphe Mouzito et le président élu Martin Fayoulou a été souligné, c'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu connais ce peuple et tu aimes bien le. Nous te recommandons nos dirigeants, nos leaders de la coalition Labouka, qui sont visionneurs, qui ont reçu de toi la mission de pouvoir délivrer ce pays, afin que tu puisses
leur accorder ta miséricorde et la délivrance de ton peuple. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Et que seul le nom de Jésus soit élevé dans tout ce qu'ils feront, le peuple, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Hier matin déjà, j'ai fait ma marche quotidienne. J'ai marché pendant une heure et demie. Ce matin, à 6h30, j'étais sur le court de tennis et j'ai joué pendant une heure au tennis. Donc, que Dieu soit loué. Merci. La France musique ça, des CMR13TV. Félicitations pour la marche, Monsieur le Président. On voudrait savoir depuis un temps, il s'observe une convergence de points de vue entre la MOUCA et la famille politique de Joseph Kabila. Si demain Kabila décide d'adhérer dans la MOUCA, il sera le bienvenu ou non? Pendant la marche, il s'est observé une citation qui n'a pas été bien digérée par l'opinion, les insultes de Monsieur le Président Martin Fayulu, dont plusieurs ont été lésés. On s'est dit pas bouloulé. On voudrait savoir les contextes de ces insultes. Est-ce c'était simplement une coïncidence ou c'était planifié ou ça n'était pas adressé à la police parce qu'il y aurait une plainte qui était déposée contre le président Martin Fayulu? On voudrait savoir un peu les contextes de ces insultes. Merci beaucoup. Mon humble avis, l'envie du l'avis du présidium de la MOUCA. Monsieur Kabila a une plateforme, elle s'appelle le FCC. Nous avons l'impression que le FCC a la queue à l'Union Sacrée et la tête chez la MOUCA. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'Union Sacrée, soi-disant de la nation. Mais nous, nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base des problèmes qu'ils ont, eux, entre FCC et l'Union Sacrée. Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous, nous récusons la loi. Mais au moins, ils disent avec nous qu'ils sont pour les consensus. Ils sont pour les réformes institutionnelles, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc, de ce point de vue-là, ils sont à cheval. Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur le fait qu'il faut revisiter cette loi-là. Ce qui déjà n'est pas leur position à ces jours. Nous disons, très bien, mais alors, que nous ayons une convergence sur les deux choses. Un consensus, mais pour qu'il y ait consensus, il faut une loi neutre. Et si aujourd'hui, les FCC... voulant un consensus, pense que le consensus n'est possible que si nous révisions la loi, nous serons en train de dire la même chose et ce serait une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision du moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera vue plus tard. Je dis bien toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Mais nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité des urnes, grâce à une CENI dépolitisée, grâce, si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette dépolitisation, non au glissement et, comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Merci. Azamwana Kisasa. Et le Lingala, c'est ma langue maternelle. Donc, c'est la langue que j'ai appris en premier. Et je ne comprends pas, si quelqu'un vous fait les poches, il vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous, vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appellerez comment?
Bon, naibi que linga la paix ezali ezako évoluer. Nga nazali peut-être âge moko na binoté mais linga lo yanga ya biso. Bana ki sasa. Naibi na bino ke naza mungala parce que ngai na koli na bangala soko tali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba mi intime. Alors soko ebi lingala te soko ebi monoko wana te kende ko tuna. Tuna tango ba mongo ba lobaka ke bolole soki lisano esili ya kosanili. Azako continuer moto na zanani. Bon, bino ndeko na ngai soko polingi polémique ya buzoba botika polémique wone zali. Yango wana bomonaki leki na ngai notre célèbre artiste musicien Fali Ipupa yembangi nzembo moko bibi boye bien ngote. Merci beaucoup. Tout le baron qui la lingala. Vous voyez que Moutouana a de mauvaise foi. Tant que vous voyez que tout marché le 17, on a comme on a de mauvaise foi. Il bosso, tant que répondre à l'obi que moi, Atika Bissoto Tambola, il a été pour la Covid. Vous voyez que dans l'entretemps, à Outaki Kotika, la manifestation est belle et à Baninga, il y a eu des pèses. À Sali ici, à Tikipe, basa la ba méga concert dans des boyé béliao. Pour Nabiso, on l'est à prendre acte. Alors même que régime Yalelo, Isali, régime conformément à la Constitution, il y a information et non pas une autorisation. Biso Senga qui était autorisé, Biso Senga qui à prendre acte que ba Congolais, la Mouka Beni ba Congolais, ba Tambola, pour Baloba, ba boyé, politisation, il y a signe. Baboy fraude ou ezali ba ko bongisa pour basale lango na 2023 logo la 2018 la mouka na peuple congolais baboy glissement au lieu à prendre acte pe atika biso to tambola a encadré à l'obino covid nasima to sali lisusu to expliquer likambwana au lieu à répondre par écrit à bengi bana ba responsable na biso na ba o wana musu ba parti musu pe ba senga ki mukolango kaka po batia des ordres alobiango verbalement to na sengi bino le 17 ya ki mauvaise volonté na ndenge bo ebi ke azayi kuluka ka ba ba précaution plutôt ba prétexte pour abo ya biso kotambola yango biso lobi le quoi mi beko ya l'état et pe si biso ndiki sa ke bo yi kondima mobeko to instruction bokonzi ya pesi na ndenge illégalité pe toyebaki ke biso bana la muka na population oyo eza kolanda biso dans sa grande majorité to ali batu ya violence te soki tozala batu ya violence banda makambo ya fraude bandaki banda mokolo ya liboso basalaki fraude wana to boyaki kobenga population abima libanda po baboma ye to boyaki violence. Il y a un autre Zaraka qui a proposé voie de sortie à chaque fois. Tout l'ingi to kutana. Tout l'ingi to kutana. Tout yo kanapon ambalasima. Oh, maïe libiso ya passi. Et zala sous soute. Tu sais qu'il a continué. Et zali kamboute peuple a besoin d'expérience pour ami bongesa nambalo et zabouya. Tout senga kayango. Le quoi tout senga kayango. Tout zara violenté. Bah, mon abiso le quoi babolole. Nous avons des peuples à Zabololit. Au moins, ici, nous avons des bololés et nous avons des peuples. Nous avons des lingala. Nous avons des lingala. Nous avons des bololés, nous avons des bololés. Nous avons des bololés. Nous avons des bololés. Toujours, nous avons des bololés. Nous avons des bololés. Nous avons des bololés. Nenge toza ko kabwana boye ba mona la biso mboka ezali na insécurité nzali zali pasi ezali ba paya ba mona la biso ba yibaka wolo na biso ba boma biso na mboka biso moko to boyito ba kongole ba kabwana to boyi tribalisme po electione kaboli ba kongole to yebi yango mais to zali bandeko president uti koloba kaza mungala azana rezo mingala za muluba
Est-ce que vous voyez Diango? De par mes racines, Nazali Ilunga. Moi, si Nabala, Azali Mouluba. Bana Nabota, Baouti, Makilanyo Sombali. Bakoko Nangapona, déjà Nabako. Moi, Nananga Abali, Patrick Mouya, Yaboyebi. Azali côté Kasaye, na papa Naye. Azali Karund, na Katanga, côté à maman Naye. Bano, Bango Baouti. Baouti, Namoutoua Bandou, Namouluba, Bamoussousou, Baouti. Côté à Koko, Nabango, ainsi de suite. Bano, on a Baouti, à Bango, la tribune. Moi, la langue Moussousou, à Bali, moi, si, Kotoyo, Azali, Maniema, Kotoyo, Azali, province orientale, Bananangai, Kotoyo, Bandou, Bano, Baouti, Baouzabanan. Et c'est un gars, Linga, Tokabwana. To boyi Kokabwana. Yango, Tozako, Senga, Tozale, Sikamoko. Tozana, désaccord. Nandinga, Kokambamboka. Désaccord, n'a biso ezali politique qui était que politique n'a pas ouais ezamabe, mais c'est pas ça. Le problème, ils ont divergence, il y a vision politique. Ils ont divergence entre le bien et le mal, entre la dictature et la démocratie. Exactement. Yango to bengi résistant. Yango banda kala to lubaka kanka to vanda to zabandi. Oye liki et liki et pe sa biso maye le pona mbalasima. Bango balingite. Ozomona bango elo balingi zani. Nezaka tozwa lokola vita na imana. Bazako beta match. Imana lingi, bon arbitre azala neutre. Mais vita lingi, non arbitre azala mutuya vita. Batwa imana basengi bazo kukate. Président ya fédération ya football ya Kinshasa azali mutuya wapi ya vita. Aligné arbitre à la côté naïe. Si koyo batwa imana basengi imana bilima bangonyo sou basengi basa la marche pour ba revendiquer arbitre à la nette. Si koyo boye batu ya vita batindi chef à fédération tindi batinanzela bi bango le kwa basa la marche pour que nous beta bango. Bon quoi kabango gaz entre bango au bazar qu'on marche pour basseng arbitre à la nette na bo balingi baza arbitre à mutu na bango banan balingi violence biso zali osenga to senga arbitre à la nette to lingi seni dépolitiser to lingi pe cour constitutionnel et à la dépolitiser ba respecter procédure ya ko désigner ba responsable. Bango balingi batia mutu na bango biso to boyi biso batuza ko senga na malembe dans la paix baba ki o no ki chassa ba roboma batu ki chassa tributel ba roboma est-ce que bon mona mo boule salema na sans wana et que ba congolais ya koto yo baza ko bunena ba congolais en dehors ya fait que ye mo l'état ba konzi ambo kande ba créer insécurité na violence les abongote bazo bimisa biso batu amabe batu balingi tribalisme batu baza division. Nous en a besoin de vision. Nous allons beaucoup à la bise à la Bomoko. Donc une élection dans la paix, dans la neutralité. Où y a qu'au gagner à gagner. Où y a qu'au perdre à ça la opposition républicaine parce que bah qu'au long aille de manière républicaine. Les abonnés. Qui Bolanda qui marche on a mingi Bozala qui kuna. Mais est-ce que si bon on a violence en Angola? Mais est-ce que bon moni bateau Nzambe a quelli? Batouana baya babimisi mite mama bena bango pona kubeta baninga na bango ko boma bango umoni yango na ndenge tolobi na déclaration il faut enquête neutre zala parce que batou nyonso wana bazale ki wana mingi bazali na police nationalité ba pesi bango bilamba ba policier. Makambo tozali koyoka wa o milice bakangi kuna na kingabwa o basali boye bomoni yango yango wana. Bande kona ngai violence wana ezaki lokola soki eloko nini mais nzamba za mukolo. Merci. J'avais une chemise avec les termes de référence de l'audit du serveur et on allait Jacquemin Chabani et moi nous étions les têtes de pont. Il y avait les jeunes Dieu Mindongala et les autres. C'était les forces vives de la nation et nous allions et nous réclamions
l'audit du serveur. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait, comment dire, des assurances. Nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006-2005, les fichiers élaborés donnaient 25 700 quelques mille électeurs. Et vous devez savoir, et Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandundu, comme l'Équateur, 2 930. Mais Kinshasa avait subi l'effet du boycott, parce que le président Tshisekedi, à l'époque, avait demandé aux membres de l'UDPS de boycotter, de ne pas aller se faire enrôler. Mais curieusement, quand il y a eu identification et enrôlement en 2011, Kinshasa a progressé, n'a progressé que de 11%. 11%. Alors que la moyenne nationale était de 25%. Nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, presque à Kinshasa, avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons continué. Et vous savez, à la fin, nous avons dit on ne boycottera pas les élections. Et avec Étienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi, Étienne, a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, mêmement, on a fait l'enrôlement, 46 500 000 électeurs. Comment ? Vous passez des 31 000, comment dire, en 2011, à 46 millions. Et les 31 000, déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on extirpe 6 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 300 000. Mais nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions d'effectifs. Nous l'avons démontré et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16%, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas d'empreinte. Vous le savez, non ? Plus de 6 millions, 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes, 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues, 500 000 mineurs, 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites le total, vous êtes à plus de 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit que, écoutez, nous avons besoin des élections, allez aux élections, nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre les observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. C'est ce que nous avons fait. Et ils ont amené les résultats, vous le savez. L'Église catholique a amené les résultats de 62,8% de Fayoulou. Et le serveur central de la CENI a amené 62,11%. On n'a pas eu tort. Et nous continuons. Donc, vous dites, alors si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non. Il n'y a pas de boycott. Mais nous voulons des élections transparente, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de Lufrance. Ce n'est pas Lufrance qui dit. Lufrance m'a posé la question et je lui ai répondu. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les Lingala, si vous avez appris les Lingala à l'âge adulte, ça, c'est votre problème. Moi, c'est ma langue maternelle. Ça, c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka ?
El Bandundu. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitu, il peut vous le dire. Mouzitu peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitu. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa Bemba Saoulona, paix à son âme, est venu me voir pour dire, mon fils, c'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, mais l'amour El Bandundu, ça veut dire quoi? Tala, Ndekonangaï, Oebi Kengaï, avant l'élection Oyo, na commandant dans la province à Bandundu. Voyez bien. Mais na commandant à Kananga, na commandant à Bujimaï, na commandant. Tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le premier ministre vient de vous expliquer. Alors, ce que vous êtes tribaliste, Olingi batindi yopo kotisa, otia sonzo, pwe kota batu. Ba sonzo no wana, ezali kota bisote. Naebi pete soro yibi sonzo. Mais sonzo wana, ego kota bisote. Donc, Nekonangai, est-ce que vous avez des leçons à donner à M. Félix Tshisekedi? Bon, alors, si vous avez des leçons à lui donner, allez lui donner. Mais vous n'avez pas des leçons à me donner à moi, parce que je suis Congolais à part entière. Est-ce que Bino, Bato Yo Bazo Bunda Makambu, il y a génocide du Congolais? Bato Bazo Bunda Makambu, Bande Konabiso Bazo Bumana Est. Bato Bonia Wana Congo, Bazo Bunda Likamana Lokolangaï. Batu boni et nazo bundango pona nini pour baza ba congolais batu yo baza ko ba makambu ya kamwena sapu batu baza ko ba makambu ya kamwena sapu nazala ki na kananga bazali boni de konangai tala soki ndenge balobaka soki ole otondite komeka ko balate komeka modindo te awo za modindo toyokani. Merci. Journaliste, ou bien, on y est connu Moussala journaliste, mais en réalité, dans la pratique, aux actes communicateurs. C'est-à-dire que tu fais la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public ou la clientèle politique pour Balandaï. C'est tout à fait légitime. Mais comme tu as le droit journaliste, ceux qui ont le droit journaliste, aucun de Moussikaté. Ou bien, Zouaka Moussala à cause de la communicateur pro-individu ou pro-société X ou pro-parti B. Ou bien, alors, tu fais le journalisme, mais il faut que tu aies une tendance à être proche à la Mouka ou proche. Mais en tant que journaliste, à cause s'imposer discipline, il y a cause à la ni ami ni ennemi de personne. Cause à la journaliste, à cause à la ni ami ni ennemi à moto. Malgré que nous avons été mis en choix en tant qu'électeur, mais dans le domaine, nous avons été mis à la neutre. Au salaire politique, il y a communication. Tu n'as pas d'avenir, sauf si tu choisis cette voie-là de manière transparente. Je te le dis. Et puis, nous avons été mis principe, et nous volonté d'engager. Au lobby, Lamouka et le Bandundu, Martin Fayoul, Adolphe Mouzitu. Très bien. Mais au bout, nous avons été mis elle, Lamouka, elle, Katumbi, Ezali, elle, Katanga. Alors, or les abongotés, la base que Katumbi, ceux qui ont un candidat, ils ont un candidat dans la province naïve. Ceux qui peuplent les lignes, ils vont voter. Martin Fayoul Lulanga, d'abord, tu as un candidat aux Amoukou en 2023. Foyer Bango. Tokoyokana. Maintenant, il n'y a pas que depuis Genève,
candidat Mokonde Abimaki azalaki pe ya bandundu, même si socialement parlant makila na ezali muto bandundu, mais socialement akinwa vin vrai qu'il a tout craché. Ngana yebi de quoi je parle. Alors yo osa ko ramener, même au ramener la province Moko, candidat président azara toujours na province na yebi bazala apemi balete ya même parti ou ya même coalition. Donc à kokende ye Moko na candidature comme à Ndenge Touzaki na Genève. Donc, caricature, il y a la Mouka X, la Mouka Mendenge Azali. La Mouka Yaki Moko na Genève, Ndenge Touzala, qui est le peuple qui a voté. Peuple qui a voté. Est-ce que le peuple a voté qui est na Congo? Azali, peuple a bandou Nukaka. Il y a mis mal. La manifestation Touzaki le 15. Batouba Bima, il y a Batouba Bandoundou. Mais mon cher journaliste communicateur, au sentir awa bat o bakangami na mbujimai na katanga partout kongo eza biso nyonso o eza o kabola biso ya likaka ba politique du kolokolo to zali bana mama boko tata moko. De toute façon biso tozo travailler na sens ya ko limiter makambo nyonso wana. Donc tika ki ça la journalisme, si tu veux être journaliste, mais tika communication, bien tu fais la communication pour quelqu'un cesse d'être journaliste. Na liboso bisoto abato ali bosoto za ko senga to vanda esika moko po to bongisa non pas likambo ya kabola bokonzi, mais to bongisa likambo élection loi ezala malamu senye ezala député to boyi te, mais seulement ye en tant qu'individu akoki te koya kovandisa biso na table ya négociation aza na parti na ye encore en tant que chef de l'État entre guillemets. Il y a tous les trois partis présents, moi médiateur à Rosala, tout solo, là, tout corriger très rapidement l'Oawana et puis tout bon, ça nous est allé par réforme institutionnelle, tout tient moi structure où il y a l'Andela, tout le monde est bandé, tout ça, tout le monde est réforme institutionnelle entre parties prenantes avec un médiateur, pas M. Tshisekedi. Non pas que nous soyons contre sa personne, mais que tout le monde. Au moins ceux qui besoin en mutu besoin que bunda ou bien mutu en a problème na peuple mini mi bolinga bo solane à travers les médiateurs, parce que koloba bo maloba na bino ko kanate médiateur na bo ngisela bino ko bo ko ka ko yo ko yo kanate bo bozo ba bingi synthèse. Donc réponse est ça pour na makambo ceux qui ba vendisa qui na dialogue to benga ki dialogue ya centre interdiocésain vous allez qui wana. Au moment où nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit na biso avons dit que force ya résistance à l'époque to sololi to yokani. Donc makambeli kaka ndenge wana il faut to vanda ce qui olanda ki proposition en sortie de crise to bimisango banda kala banda février 2019 liloba moko kaka tous bima na kokosoy o crise zalité le 19 le 10 mai to komi mukande bimi na bafinyoso to bima na lokoyo. Après discussion avec toutes les parties prenantes, nous devons créer un organe, une institution appelée au Conseil national des réformes institutionnelles pour tout ça la nini pour tout ça la ba réforme institutionnelle. Donc tout ça la alors les cambo ya konobo lobaki yo zongisa mais mama maloba nini na lobaki oyo ya mabena fingi motote na tongi motote na lobili cambo ya mabete toyokani. Voilà réponse nangai, merci mama. Voilà. Ce point de presse des membres du président de la Mouka, retenez la grande information au terme de cette déclaration, c'est que les membres du président projette une nouvelle marche pour ce 29 septembre. Merci beaucoup. Nous demandons aux membres du président de lever le passage.